Chargez! Chaud devant! Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Stronghold Warlords. Il s'agit d'un RTS dans lequel on construit nos châteaux et on assiège ceux adverses. Sachant qu'on a découvert le jeu en compagnie de Pépé, et un petit peu plus tard il y a également Terra qui nous a rejoint dans la soirée. Donc voilà, je vous propose un petit récap des passages les plus intéressants qu'il y a eu, sachant que voilà, le jeu est quand même un petit peu long par moment pour débloquer certaines situations, donc c'est vrai que j'ai pas voulu vous mettre une partie complète parce que je me suis dit que clairement à regarder ça aurait pas été très intéressant. Donc j'ai préféré vous mettre des passages de plusieurs parties. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Je vous laisse avec les images. C'est tellement pas ouf, mec. Ça me fait peur. Hein. Il nous faut du bois, votre excellence. On va laisser le commandant là-haut, mais par contre. Donc toi, du coup, tu vas prendre direct lui, ok. Mais il y a de la pierre de ton côté. Moi, j'ai pas de pierre, j'ai pas de fer. Effectivement, l'eau, je crois que t'as raison. Il y a juste un passage. Ah bah il vient déjà chez toi te saouler en plus, ok. Il y a qu'un passage et un autre là-haut, ok. C'est quoi cette map? En fait ça va se jouer avec des trucs beaucoup plus simples, hein, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, on ne peut pas traverser ici, genre. Si je leur dis de venir là, ils vont faire tout le tour, je pense. Bah du coup, autant que j'amène mon armée directement chez Pépé, hein. Je pense qu'en fait on va faire un 2v1 puis 2v1, hein. Ça va être un délire comme ça. T'as pas de pierre toi là où t'es ? Non non, j'ai pas de pierre, pas de fer. Ah c'est moi qui dois faire tes défenses alors, très certainement. Mec, j'espère que t'as confiance. Hein. Bah c'est toi qui vas tanker de ton côté, oui, après. Après voilà quoi. On va faire des maisons de prolo. Ah j'aurais pas besoin de faire de rempart là. Oh. Est-ce qu'on fait masse de porteurs d'échelle et on passe par leurs remparts et tout du coup, on leur laisse les remparts. Ah bah pas besoin en fait, y'a rien à casser. Ouais. Comment on améliorait le château du coup? Parce que je l'ai amélioré là et ça me fait rien. Bah quand tu lui parles à droite, si tu l'as amélioré une fois, après normalement t'as marqué améliorer le château en bas. Ou alors ils vont te dire c'est dans tant de level que tu pourras, tu sais. Les archers restaient dehors. Merci beaucoup, continue comme ça, merci beaucoup, démon mort. Ah mais dans le menu, comment ça, dans le menu à droite? Nous frôlons la pénurie de riz, Altesse. Tu les as améliorés là? T'as amélioré le... Ouais, ouais. Ben ensuite, tout en bas, il y a marqué quoi? Level 3 requis ou un truc comme ça? Ouais, ouais, c'est ça. Bah il faut encore un level alors peut-être pour pouvoir l'améliorer. D'accord, ok. Ils vont me suivre là ou pas? Non, c'est bon. Je pense que ça va être ça. En fait, non, je sais même pas si je fais des trucs pas, de... Ils te suivent pas dans mes murs. Oh, si, je sais ce que je veux faire. Ah, mais est-ce que je vais pouvoir... Ça, là. C'est quoi qu'il me faut? C'est quoi ce saut? Les chariots de flèche, ça doit être trop fort contre les unités. Il me faut deux trucs. C'est quoi cette ressource? Aïe, aïe, aïe. C'est ça. C'est de la poudre à canon. Non, tu veux pas mettre tes archers sur le mur? Ah, mais il faut du salpêtre pour la poudre à canon. Il faut du salpêtre pour la poudre à canon et on n'a pas de salpêtre. Après je pourrais en acheter quoi, mais... Bon, j'ai plus d'armée. Nous sommes attaqués. En vrai j'ai envie de 10 du salpêtre. Est-ce que je le tente total... ou... Vas-y, je vais faire un truc de poudre à canon. On va voir si ça peut marcher vu que j'ai un peu de... J'ai un peu de salpêtre d'avance, donc peut-être que je pourrais en faire un truc comme ça, ce serait ouf. Oh, ils arrivent. Nos flèches sont affûtées. Ah, je suis obligé de passer. Regarde devant chez toi, le feu d'artifice, mec. Ouais, j'ai vu. Ouais. Ah, ça les découpe bien. Mon esprit. Ah, les petits malins, regarde. Clair. Ils vont se mettre hors de portée de tes trucs. Où avez-vous besoin hors de portée de quoi? What the fuck? Bon, peut-être de. Et ouais, être le trébuchet, mec. Un gros trèble. Sauvage. Ouais, t'inquiète. Dites-nous. Attends, du coup. Déplacez. Ils ont tué mes archers, là, je crois. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai plus d'archers. J'en suis mes archers. Je vais faire une armée là dès que j'ai de l'argent. Est-ce que je peux sortir? Non, je me fais attaquer. Mon esprit est clair.
Je vivrai. Attends, mais tu fais quoi toi, hein? Elle est où ton armée là? J'en ai pas. Mais pourquoi? Mais ils arrivent. Je ne fais qu'un. Mais c'est des pécores quoi, tu sais, c'est pas, ça va pas être ouf hein. Ça sera mieux que rien, hein, c'est sûr, mais. Je vois. Et fait, la attends, je les attends à la sortie de la porte quoi, mais. Mais quoi, c'est que tu sors pas autre chose. Fais le. En fait, fais l'académie militaire. Je suis en équilibre. Ouais, ouais, bah oui, oui, mais. Non. Catapulte, ça fait si mal. Attends, est-ce que le trébuchet. Est-ce que le trébuchet, là, je peux le mettre en place? Merci beaucoup, Angel. En vrai, les ninjas peuvent être forts en défense aussi. Ils passent par-dessus les murs pour les trucs. Ouais, ouais, après, par-dessus ça, je sais. Comment puis-je vous servir? Prêt au combat! L'esprit est prêt. Attends, je sais pas comment réparer les bâtiments. Ok, le trébuchet il a tiré à côté. Ah, outil de réparation. Je commence. J'ai trouvé comment réparer les bâtiments. Et vous voyez, le trébuchet, ça, on peut faire un porc malade en feu, un buffle d'eau malade. Ça, je sais pas ce que c'est le dernier truc par contre. C'est peut-être plus pour les unités, je pense. Je sais pas. Okay, bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Là déjà ça fait un peu plus de sens. Je choisis de marcher. Je sais pas ce que c'est le dernier projectile. Si on peut appeler ça une armée, hein, ça va de soi. Mais... Oh, c'est stylé. Emmenez-nous au siège. Je ne fais qu'un. Avec un cœur ouvert. Ce truc là est stylé aussi, mais j'avoue qu'avec les murs et tout, c'est peut-être pas le plus ouf par contre. Me voilà. Bon, par contre, les amis, je peux en faire deux autres. Nous sommes attaqués. Incroyable. J'ai envie de faire le buff de feu juste pour rigoler. C'est tellement pas worse, je pense. N'hésite pas à faire du monde, hein, côté. Le trébuchet est prêt. Trébuchet. N'hésite pas à jouer, PP, surtout. Hein. Je suis les murs, mec, ok. Tu es la force de frappe. À votre commandement. N'hésite surtout pas. C'est moi pas, le tank, hein. Mec, de l'équipe, ok. Oui, enfin, du coup, ils arrivent même pas à tes murs, en fait. Mec, c'est un siège, là. Ok, en vrai, depuis tout à l'heure, en plus, je gère pas, je dois avoir un peu d'argent, tout ça. Est-ce que je tente des ninjas? Est-ce que je tente des porteurs d'échelle ou des tours de siège, genre? Mais des porteurs d'échelle, je pense que ça ira plus vite. J'ai envie de faire les... Nous sommes attaqués. Baffes de feu, vas-y, let's go. Vous ne possédez pas suffisamment d'or pour construire cet équipement. Mon esprit est clair. Ok, c'est ouvert, Pépé, c'est ouvert. Une missive de Gengis Khan. Ouais. Vous avez des compétences en démolition. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas des grosses unités, lui, qu'il a en plus. C'est un massacre avec mes trucs, hein. L'autre, il se défend bien, hein. Je suis préparé. Oh là là. Le siège de Pépé est confortable, il bouge pas. Mais grave. Où est le siège? Ah, vraiment, ça pue, hein, parce que là, il va tout me démolir. Hein. Il va démolir mon. Oh non, Pépé. J'arrive! Vas-y, sauve tes trucs de siège là. J'ai mon général qui protège, t'inquiète, il est là. On va essayer un buff de feu, mec. Regarde le buff qui sort de chez toi là. Je sais pas comment ça marche, mais j'ai envie de tester. J'ai peur, hein. Moi je fais des tests, c'est incroyable. Ouais, mais là en fait il va juste mourir. Oh, regardez-le! Il prend feu! Il y va! Inutile. Non, attends, tu vois si c'est inutile. Parce que tu crois que j'en avais prévu quand ou quoi? On avait prévu le coup, mec. What the fuck? On y va. Chargé. Chaud devant. Équipe, j'avais y arrivé. Oh. Le mec, tu l'as vu ou pas? Le pauvre. Non, par contre, regarde les unités, qui passe dans le feu après. Regarde celle qui passe dans le feu après, c'est ouf, hein. Oh, s'il serait arrivé, ça aurait été dingue. Qu'est-ce qu'il a mis dans ses murs? Oh, des tigres!
Des tigres. Des tigres. Faut les laisser. Mec, regarde les murs. Tu vois, tu t'es dit je suis les murs. Oui, bah pour ça, faudrait qu'ils reviennent quoi. Ils viennent même plus. Mais tu sais que c'est dommage parce qu'on commence à vraiment prendre l'avantage sur eux. T'aurais juste eu une armée en plus de tes murs, ça aurait été cool quoi. Une quoi? Regarde, ces trucs là, c'est pour protéger là, les deux trucs qu'il y a devant. Allons nous battre. Ça protège les des tirs normalement. Ouais, les mots. Ici les porteurs ouais. D'échelle. Emmenez-nous au mur. Oh. Ils mourront avec un bourrin. Pépé, tu peux me suivre, hein, c'est le moment. Ouais, les rochers sont chargés. Il nous arrive. Commandement. Où est le siège? Me voilà. Il me dit, il arrive. Bah oui, regarde. Derrière, mec. J'arrive pas à sélectionner ma. Sont chargés. Ordre confirmé. Regarde. Ma tour de siège. On va lui dire de se caler là-bas. Ici, les porteurs d'échelle. Je vais défoncer c'est sa mini tour à la con. Hein. À gauche, je vais prendre le. Je vais mettre des trucs sur les remparts à gauche. Siège longue portée à votre service. Catapulte prête. Prêt au combat. Attends, j'ai les chevaux là aussi qui vont pouvoir tirer. Allons-y. Sur eux là. Je ne vois pas comment faire. Alors, par contre, siège longue portée à votre général, service. Tu vas juste aller dans le force. Je ne fais qu'un. On peut monter hein, sur les échelles déjà. Il y a des échelles qui sont placées. Hein. On attaque. Dites de monter sur les murs juste. Ouais, impossible bon. D'amener l'échelle. Attends, ici. Il y a la tour de siège et tout qui arrive, mec. Hein. Mec, c'est l'invasion. Mec, c'est l'assaut. C'est trop bien. C'est la game. Je ne fais qu'un. Bon, il a. Alors, par contre, il a masse archer. Archer cave là, qui sont abominables. Le seigneur subit une attaque. Je crois que si on fait un rush seigneur, on lui tue ou pas. Je suis pas sûr. Hein. Je sais pas. Ah, il a la tour de siège et tout là, mais c'est trop stylé. Je suis prêt. Le seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? En gros, je vais essayer de faire le tour et de tuer tous les archers qu'il y a sur les remparts. Oh, il est mon en train de m'éclater, mais. Clair. Attends, je vais essayer d'envoyer des maladies dedans là chez eux. Hello. Ah, salut Terra. Est-ce qu'il veut te tirer là-bas ou il met un truc en mode il peut pas? Attends. Je vais envoyer des cochons malades, mec. Je ne fais qu'un. Je commence le voyage. Oh, c'est sale. Ah, il est arrivé? Ah oui, oui, il est arrivé, regarde. Pas fait gaffe. Ah mais regarde, ça... oui ils sont malades, ils sont en train de mourir dedans. Mais c'est trop bien quand tu fais un siège, genre tu mets plein de maladies à l'intérieur. Genre en fait tu les tues chez eux genre. Ah par contre c'était bien joli l'assaut mais en fait on prend très cher après. Faut y aller là, c'est le moment où ils ont plus rien. Vas-y, j'ai préparé la masse de... Oh le bruit qu'ils font. Samouraï par contre ici vont mais beau le voir. Ouais les samouraïs ils sont touchants. Me voilà. Trébuchet prêt. Nous sommes attaqués. Catapulte mobilisée. Siège longue portée à votre service. Avance hein Pépé. Bon. Tire d'où avec ça, lui c'est à gauche. Prêt à partir. Le trébuchet est prêt. Ce bâtiment est inaccessible, Altesse. Où est le siège? Catapulte prête. Trébuchet prêt. Oh là là. Commandement. Oh. Commandement. Je vais casser l'entrée principale le plus vite possible et on y va. Hein. Ouais. On fait un go into son général tout de suite. On va le tenter, ouais. Vers l'ennemi. Est-ce que je peux casser ça là-haut là? Ah, on peut pas. En vitesse. Je comprends pas pourquoi le général du buff il part au vert tout de suite. Flèche envoyée. C'est bon. Ah. Je suis prêt. Une missive de Gengis Khan. Vous avez des compétences en démolition. À l'intérieur, bande de nuls. Les mecs qui rushent. Nos flèches sont affûtées. Catapulte prête. Ordre confirmé. Essaye de casser ce truc là qui met dans le mal. Les troupes au cac, tant pis si c'est des prolos. L'heure des Mongols est venue. Les sabots de nos étalons
résonneront dans les plaines. J'avoue, ils sont tellement bloqués, les mecs, non? Ouais, les fusées qui sont pas passées. Le problème, c'est l'armée qui l'a devant, mec. Hein. Oh là là. Après, j'ai tous mes samouraïs là qui vont arriver. Avec les généraux, ils vont arriver en même temps. Où avez-vous besoin de nous? Ah, mais t'as vu, il a des archers quoi. Je suis sous votre commandement. Ouais, mec, ils font. Et regarde comment ils tombent comme des salauds. Ah, mais samouraïs avec les commandants là, ils vont faire mal. Hein. Ah, oui, non, mais ils sont lents, mais par contre. Et regarde celui qui est tout seul devant, mec. C'est vrai comment ils tankent. Monseigneur. Regarde comment ça tank, mec. En vrai, ça peut le faire, ça peut le faire, mec. À votre commandement. Je vais essayer de casser les tours avec les catapultes en même temps. Je suis sous votre commandement. Oh, il tire du feu, lui, là-haut. Bon. J'avais vraiment... Juste, ils arrêtent de se perdre, en fait, mais mes mecs, là, ce sera bon. Vas-y, refais des unités en vrai et renvoie. Hein. Ouais, t'inquiète, j'envoie des samouraïs. Que souhaitez-vous ils que je fasse? Une demi-heure, mais au moins, ils y arrivent. N'acceptez aucune reddition. Ouais, il en ressort à l'infini, je vais tenter d'aller direct au... Lourd. Je vais aller direct au général. Bientôt votre victoire. Vendre la pierre. Non, je pourrais pas, ça passera pas. J'en ai plus que 4 déjà. Avant nous. Oh là là, mec, c'est impossible, je te dis, il est trop développé maintenant. Il est tellement développé. Ça va clairement passer, mais non, au final ça passe pas. On est bien rentré, mais... Mais en vrai, maintenant qu'on est dedans, faut tout casser quoi. Mais le problème, c'est que j'aurais dû faire de la reprod au milieu. Ça a pété un peu son écho, mais le problème, c'est que tu vois, les armes de siège à l'extérieur, faudrait qu'elles. Une missive de Genghis Khan. Vas-y, hé, regarde. Quoi? Tu l'as dérouillé, mec. Chevaux. Tu l'as démonté. Quoi? Tu l'as démonté. J'ai même pas vu qu'il avait tué. Si, si, bah en fait, son général il est sorti et du coup, tu les as démontés. C'est passé à rien, les gars, c'est passé à rien, mais trop bien! Oui, seigneur! À votre commandement! Faudrait que tu prennes le. Oui, le mec en bas là. Ouais. Je vais y aller. Voilà. Général du 2. Oh là là! Les amis! Incroyable, on a réussi! On a réussi! Bah, du coup, maintenant on est 2-1, donc oui, là ça va aller beaucoup mieux en fait. Let's go! Je crois qu'il y a un moyen de faire une alliance en plus, non? T'es mec qui t'a fait pire FFA, tu sais. FFA 2v1. Tété, ça te dit une petite alliance contre Horse parce que je sens qu'il va nous ouvrir. Non, du tout. En vrai, Tété, il est fort. Attends, déjà, il manque des ressources. Il faut aller chercher jusque là-bas. Ah ouais, on peut construire partout là. Vous n'avez pas là, suffisamment parce... d'ouvriers pour faire fonctionner ce bâtiment. Cela ne peut être construit ici, Altesse. Yo he zhi ling. Rang wo men xian ba zhe ge gao ding. Ah ouais, mais lui, je crois que c'est le plus chaud à capturer de base. C'est qui est de quelle couleur là par contre? Ah, ça c'est terrain. Ça c'est PP, ok. Zhang guan, yo he fen fu. Chúng tôi đang lắng nghe ở đây. Chuyện của chúng ta. Ouais, y'a pas de brouillard de guerre. Ouais, y'a pas de. Ah ouais. Ah oui, mais ils ont des lance-flammes et tout là-dessus. Ah oui, ok, excusez-moi, monsieur. Y a pas de problème. On va faire ça. Nous sommes attaqués! Il nous faut du bois, Altesse. Bon, ça va être un peu long, mais au moins c'est safe. On va faire ça. Du coup, ça c'est ok. Attends, c'est quoi ça? C'est mes bûcherons? Pourquoi ils vont couper du bois là-bas, eux? Ils vont couper du bois genre le super bois est loin. Insuffisant, Altesse. Ils en ont à côté de chez eux. C'est ceux qui rejoignent. Ok, ça on peut booster, donc ça aussi.
Des attaches de buffles d'eau sont nécessaires pour amener la pierre à la réserve, votre Altesse. J'aime bien la voix qu'il prend. J'ai limite l'impression qu'il te prend pour un idiot quand il te parle, le mec, des fois. Ah, quand tu cliques dessus, mais il te prend full pour un débile. Non, mais là, j'ai posé mes trucs de pierre, il fait... Eh, des attaches sont nécessaires. T'es un peu débile, mais tu sais, il faudrait vraiment que tu fasses ça, quoi. Tu crois que je vais le faire comment, mon arc? Ça va, et toi, Gallo? Ça, c'est ok. C'est quoi? Ah mince, j'avais pas vu. Des attaches de buffles d'eau sont nécessaires. C'est ça. C'est exactement ça. Peut-être pu mettre des attaches de buffles d'eau. Vous n'avez pas suffisamment d'ouvriers pour faire fonctionner ce bâtiment. What the fuck? Yo yo, d'argent, moi. On va les gagner, eux. J'ai peur de ruiner mon armée là-dessus, mais bon. Par contre, c'est bon, il n'y a pas énormément de bois. Ouais. Ça arrive. Ça, ouais. Bon, bah, il fut un temps, j'avais une armée. Ah. Le mec il meurt par PVE, t'sais. Ouais, ça va le faire. Du coup, ça c'est ok, c'était quoi l'objectif là? Là, la pop ça remonte. Je suis sous votre commandement. Faire une petite maison pour le bonheur comme ça. Bonheur. Ouais, ça reste sympa, ouais. Qu'est-ce que je peux faire là? Rien. Hein. Là, on peut améliorer. En vrai, on va améliorer le château direct. Oh là là, stylé, stylé. T'as déjà fait les bastions, Pépé, ou pas? Ouais. C'est bien ou pas? C'est juste un gros truc, un gros mur en fait, et ça te dit, regarde, 25% de chance d'éviter les de déviation des missiles et 15% de portée de missiles en bonus. C'est à peu près le... Bah en fait non, c'est le même effet que les murs, donc en fait c'est pas plus intéressant, c'est juste des gros murs en fait. J'ai pas l'impression que ça ait une quelconque utilité. Oui, t'as des tours, elles sont vraiment badass par contre, ok. Ok, bon, il va falloir un petit peu de pierre du coup. Pour le moment, en vrai, moi j'aime bien le jeu, mais justement, j'ai pas la partie d'avant, j'ai pas pu assez profiter du côté rempart et tout ça en fait, et défense. J'aime bien les mécaniques en vrai. Non, ça va, je suis un peu despotique, mais pas trop. Enfin, est-ce qu'ils ont récupéré les autres du coup? Non, toujours pas. Je regarde un peu le développement de chacun. Ah, ça y est, il a fait ses murs et tout. Ah oui, il a fait ses deux versions et tout. Lui, il teste. Je vois là, t'étais, ouais, il se met derrière des petits murs. Toi aussi, t'es derrière des murs. On est tous derrière des murs. On a tous compris. Et il a fait en triple les trucs pour faire des unités et tout. C'est pas bête ce qu'il a fait. Là, il sort pas mal de haches. C'est pas bête ce qu'il fait, Tété. Eh oh, tu arrêtes de regarder ce que je fais. Non, c'est pas bête du tout. Hein. Je sais pas, je... Non, ouais, c'est vrai que j'en ai fait qu'un à chaque fois, et je pense que t'as raison, il vaut mieux en faire plusieurs en fait pour produire plus vite. Ce bâtiment est en activité, Altesse. Après, faut connaître un peu les unités pour savoir lesquelles tu produis le plus, lesquelles sont worse. J'avoue que c'est pas bête. Lourdement blindé, provoque des dégâts de zone, mais c'est trop bien ça en fait. Ah oui, en vrai, ça, je vais en faire plein. Ah, c'est pour la popularité. Par contre, j'ai toujours pas trouvé comment faire les... Mais c'est trop bien en fait ça. J'ai trouvé. Ça veut dire que tu te fais masse de thunes derrière en fait. Arrête avec tes vieux archers là. Ah. C'est trop bien. Mais il a la portée. Quoi, les deux en même temps en plus? Ok, super. Tout va bien dans le jeu. Le trébuchet est prêt. Bon, c'est-à-dire qu'il a plus de portée avec une balise que moi avec un trébuchet, quoi. Donc à un moment donné. En fait, on est censé attaquer comment, genre? Je sais même pas ce que je suis censé faire là, les gars, vraiment. Je sais même pas comment je peux counter ça en fait. Emmenez-nous au siège. Trébuchet mobilisé. Ah, mais en fait, les balistes mobiles, Raphia, du coup, elles auront toujours moins de portée que ces balistes à lui qui sont en hauteur. Donc, dans tous les cas, je vais arriver. Elles vont mourir avant de pouvoir tirer, tu vois.
Oh le bâtard. Il m'en a eu. Oh putain. C'est beau ce que t'as fait là. Eh ça coûte cher ça TT hein. Tu fais chier. Mon armée avance. Trébuchet, prêt. En fait si seulement je pouvais au moins avancer mes catapultes en bas et tirer sur sa baliste, mais je peux même pas. Je leur ai demandé, elles ont même pas la portée pour faire ça. Ah, le problème en fait c'est que j'ai pété sa baliste et il l'a reconstruite instant. Oui bah oui c'est ça. Mais moi dis-toi il m'a rajouté une baliste qui n'était pas aussi là-bas genre pour parce que j'avais un angle et du coup je peux rien faire. Bouclier sur en roue. Ah une turtle we trust. Hein. Non c'est ce que j'ai essayé de faire mégalo et non. Bon tu sais quoi, je sais comment ça va finir hein, cette histoire. Hein. De nouveaux plans. Défaite. PP. Vas-y, hors ce jeu, juste en avant. Si vous êtes pas allié, vous allez vous attaquer hein, aussi entre vous. C'est pour ça que je vais attendre qu'il ait fini. Redéploiement en cours. N'acceptez aucune reddition. Catapulte prête. Oh là là, le massacre. Où avez-vous besoin de nous? Je suis sous votre commandement. On y va à la pioche, les gars, hein, c'est la meilleure strat. Hein. Genre, il y a un château en face, on y va à la pioche, quoi. C'est n'importe quoi. Ça va, ouais. Putain, je me fais éclater, mec. Bon, c'est fini. Je suis sous votre commandement. Nous proclamerons bientôt votre victoire. Et voilà, la défaite d'un mur. Tu veux back, Corse? Ah bah, c'est une femme, c'est back. Non, moi. Votre loyal serviteur. L'ennemi tombera avant nous. Mes unités viennent de dire l'ennemi tombera avant nous, donc je leur fais confiance. Par contre, ils tirent pas du bon côté. Nous sommes attaqués! À quoi pensez-vous? Nous proclamerons bientôt votre victoire. Ils font tellement mal tes unités, mec. Tu es bas, Corse ou pas? Non, non. Mais je vais jusqu'à chez lui, hein. Je backerai une fois que j'aurai tué son seigneur, mec. De nouveaux plans? Adieu, monde cruel! Nous ne pouvons pas envoyer une armée à cet endroit. C'est quoi ces unités là de fou par contre qui ne reculent devant rien T'as vu la taille de leur massue mec mais ça va, overkill un peu ou ça se passe comment? T'as eu qu'à faire des unités toi. Adieu. Mec il galère hein, quand même le truc hein. Attention le freeze incoming. GG. Bon bah voilà, elle était cool cette game. Ouais, la défense que tu veux, hein, mais au final. Oh mais mec, c'était infâme. Hein. J'avais dit que ça passerait. Et là maintenant, TT récupère la game, salaud. Il nous faut des recrues, Altesse. Non, on va enfin pouvoir se faire l'affrontement que vous voulez. Ah, t'es mieux de rappeler tes unités parce que là, elles font sur sur Ors. Hein. Non, t'inquiète. Oh là là, enfin, ça fait tellement plaisir là. Mon armée avance. C'était chiant. Et tu veux faire un combat TK contre Mecha Corse? Non mais vas-y, on voit ton armée si tu veux sur. Ouais, on me tue là.
Mais attends, là, je vais juste en vrai tester un peu. Le pire, c'est que je pense qu'il va t'ouvrir. Hein. Merci Minato. Non, parce que ces unités valent plus cher que les miennes, hein, celle-là, hein, crois pas. Là au bouclier, je vois pas les stats. Par contre, moi je fais des dégâts de zone. Les gourdins, non mais mec, les gourdins. Les gourdins font des dégâts de zone par contre. Non mais ces unités valent plus cher vraiment. Mais après, moi j'ai des buffs et tout. Mais regarde comment étant que ces unités en vrai. Ah, t'as un général au milieu de ton armée. T'étais, t'as pas mis de général. Non, oui, c'est ça, c'est que moi j'ai un peu de buff aussi à côté et tout. Plus 25% mais... d'armure, hein, le général. Ah, par contre, elles prennent cher à mon avis face aux archers. Hein, de quoi mes unités. Ah, aux arbalétriers surtout, je pense. Plus aux unités de leur tir. Hein. Après, moi normalement, elles sont censées faire des dégâts de zone, donc c'est là-dessus où elles peuvent contrebalancer, tu vois. En vrai, je pense qu'il faut pas faire qu'un seul type, tu vois, faut vraiment avoir les buffs et tout chacun. J'avais tellement pas une écho. En soi, même sans buff et sans général, mes unités elles tiennent, hein. Oui, oui, non, je pense qu'elles sont vraiment bien plus tanky en fait, les tiennes. J'ai commencé à en faire d'ailleurs quand j'ai vu ça. Elles ont quoi comme stat tes unités? Je sais pas, quand tu vois. Tu cliques gauche dessus. Cool. Je sais pas, y'a plein de trucs, mec, attaque de mêlée 2. Oh, la diplo, c'est de la merde en fait, hein! Non, mais après. Ah, voilà, bah... Après, en fait, le truc, c'est surtout que là dedans, j'ai aussi fait des bannières, du coup, pour avoir les buffs, plus le général. Alors, qui donne le buff aussi. Elles ont presque les mêmes stats, sauf que les miennes ont 3000 HP de plus. Ouais. Et un d'attaque en plus. Mais ouais, le truc, c'est que j'avais pas les buffs, du coup. Je pense que c'est ça qui a fait la diff. Oui, je pense que c'est ça, hein, vraiment. Parce que moi maintenant je te promets, je fais vraiment tes unités aussi dans le tas parce que je me suis rendu compte que oui, elles ont l'air vénères quoi. Par contre, elles sont extrêmement lentes, hein, c'est une horreur. Ah, mais elles sont toutes lentes. Hein. En fait, toutes les armures lourdes, donc vraiment toutes les grosses unités, elles sont très très lentes. Ok. Lingzhu. Quoi? Quoi d'exé? Terra? Parce que t'as win, gros. J'ai win quoi? T'as win? Bah, mec, on aurait pu faire un fight après chez toi, j'étais en train de refaire mes unités et tout. Ah merde! Mais mec, le mec il a quitté en l'air! Ah non, mais c'était vu que t'avais pété PP, mais genre la victoire elle te revient, tu vois. Bah non, c'est pas. Bah non, bah pas du tout.